l'ai vue en août, elle n'était pas terminée. Là, finie, elle est magnifique cette salle. En plus, on m'a fait l'honneur de lui donner mon nom. Je suis quand même très honoré, très touché d'être reconnu par les miens ici en Guadeloupe. C'est un très bel outil qu'il va falloir bien utiliser. Je suis allé dans beaucoup de salles d'escrime dans le monde entier et des salles comme ça, il n'y en a pas beaucoup. J'espère qu'un jour, on aura des équipes de France composées à encore plus de pourcentage de Guadeloupéens. Sa constance, sa passion font de lui ma fierté. Il réalise le rêve qu'on avait pour nous, qu'on aurait aimé avoir. Ça, c'est un rêve, ça, c'est une salle de rêve. Un outil aussi performant, c'est clair que la Guadeloupe ne peut être que très fière et nous particulièrement au niveau du CREPS, puisque notre rôle, notre mission, c'est d'accompagner la performance et de l'emmener le plus haut possible. Il faut savoir qu'il s'inscrit aussi dans notre label Centre de préparation des Jeux. Donc bien évidemment, nous nous inscrivons pleinement dans la préparation des Jeux de façon à pouvoir accueillir à la fois des équipes nationales, bien sûr, mais aussi des équipes internationales. L'arrivée de cette salle d'escrime arrive à point nommé parce que l'escrime, c'est le sport qui aujourd'hui fournit le plus grand nombre de champions à la Guadeloupe. Puis le sport de haut niveau, c'est une façon aussi de permettre à un jeune de pouvoir s'insérer dans la vie sociale. Après avoir inauguré, il faut le dire, d'abord plusieurs city stades, nous aurons des futsals à inaugurer. Nous aurons la piste cyclable qui avoisine les 4 km autour du lycée agricole. Le city stade de Bémaro est dans quelques jours, l'inauguration du stade de Port-Louis, la piste d'athlétisme de Mornalo, la piste d'athlétisme du Lamantin, de Bouillante, de Petitbourg. Ce qui est important pour nous, c'est donner les moyens à nos sportifs, à nos athlètes. Et je le dis en toute sincérité, nous sommes contents et j'espère bientôt que nous aurons à inaugurer aussi le premier terrain de rugby en gazon synthétique en Guadeloupe. Nous l'inaugurerons avant la fin de l'année.